Entretien du vélo de Michel, aujourd'hui. C'est carbon fiber, ça? Non, non, c'est de l'alu. Putain, mais c'est trompe-l'œil, Orbea. De quoi? Orbea, ils font des cadres, tu sais, les soudures, elles sont arasées, ouais. Polies. On dirait du carbone, mais c'est de l'alu, en fait. Donc là, j'ai un petit chantier. Je vais faire recharge préventive avant-arrière. Changement de la chaîne, nettoyage de la transmission, changement de la câblerie complète, entretien 50 heures, fourche, amortisseur. Et surtout le câble de tige de sel. Et ben, ça part. Voilà, c'est pas la bonne clé. Je vais lui démonter tout son vélo. Comment on est niveau plaquette? Ok, on est pas mal. Les freins, on est pas mal, j'ai pas besoin d'y toucher. Ils ont un bon toucher, je trouve. Voilà, cassette. Michel, quand même. Faut me nettoyer un peu cette cassette, là. Non, mais là, en vrai, je vais tout couper. Ça va être vite vu. Ah, il gratte son... Oh, ah, mais comme il a poncé son cadre. Ah, je vais lui changer ses roulements de pédalier. Ok, mais ça, ça rend bien les plaquettes. Oui, mais t'as pas besoin de taper avec un marteau. Ah, moi je tape avec un marteau. C'est comme ça, regarde. Oui, sinon tu vas avoir un grand coup de... Mais j'ai pas assez de force. Tu fais ça comme ça et tu fais ça comme ça. C'est tout. T'as pas besoin de... J'ai pas la même force que toi. Et là, ça s'enfonce tout seul, ça. T'as mis un peu de graisse pour le mettre? Non. Ah, oh, merci, super. Je sais pas s'il lui change son twin lock. Ouais, ça va pas lui faire des mal. Changement du câble de twin lock. Ah ouais, putain, c'est tout en un bloc avec la tige de sel télescopique et tout. Voilà. Ça, c'est un chantier, son nom, son système. Ah, regarde ça, ils ont mis des petits trucs en caoutchouc sur la tête du câble. Faut pas que ça fasse de bruit. Pas mal. J'ajoute une étoile à Orbea pour ça. On réserve un doux moment de mécanique. Là, c'est un agréable moment de mécanique. Beau vélo Decathlon. Wow, là, voilà. On est sur... Ouais, une belle merguez, là. Là, on est sur... Ça, c'est même pas la saison du barbecue encore que là, qui nous gâte, là. Bah non, ça, il fait pas beau. Ah ouais, putain, heureusement que je change ses gaines, tu vois, là. Péter la gaine. Wow, Michel. Là, c'est chaud, là. Ça prend pas trop la potence, quand même. Putain. Son combo au sein de potence, il est lourd. Donc là, on va mettre tout ce qu'on peut laver dans la fontaine. Je vais pas tout y mettre en même temps. Donc ça, là, on a deux clés de 10 en douille. Donc là, c'est juste l'entretien 50 heures. Donc j'ai même pas besoin de dégazer la fourche. J'ai laissé le... J'ai laissé la pression d'air dedans, comme ça, ça change pas les réglages pour le client. Franchement, elle est en bon état, sa fourche. Il va pas faire des bar spin. Il va pas faire des bar spin, les gars. Et ben, je vais tout de suite tester mes petites mousses que j'ai trouvées sur AliExpress. On est sur une 34. J'ai chopé ça là, en fait. Ça. Et un petit élastique. Ça, je le fais maintenant parce qu'à chaque fois, j'oublie. De la Gold et de la 5WT. Là, tu notes, Lilian, tu fais une fiche, tu marques faire devis réparation assurance. C'est quelle couleur ça? Bah, c'est rouge. Tu sais, on a l'habitude, c'est quand les gens ils sont. Quand il y a quelqu'un qui se fait accidenter par une voiture ou quoi, on fait des devis de réparation et après les gens ils les envoient à leur assurance. Donc là, j'hydrate bien mes petites mousses.
côté cartouche. J'ai toujours un... Oui, côté cartouche, j'ai toujours ce côté-là. Bah parfait ça. C'est pile poil la bonne taille. Parce que vous voyez, dans les kits joints chez Fox, ils nous donnent les deux joints racleur et les mousses. Mais les mousses, si on veut juste les mousses, bah ça fait chier quoi. On peut pas en avoir. Moi je suis pas SAV Fox ou quoi, donc je pense que ça peut se commander peut-être à l'unité, mais là j'en ai trouvé sur AliExpress. Je te parle même pas du prix. Je crois que c'était moins d'un euro le sachet de 10 mousses. Donc ça va lui faire le plus grand bien. Je vais mettre un peu de butter. Ça me sidère ça, les mecs qui tournent tout seuls à vélo et ils font jouer leur assurance. Si ça marche tant mieux, hein. Je m'en fous moi. Donc là on va remettre... Ok, parfait. On a 10 cc de gold. Le trou il est loin. Voilà. Ça va lui faire du bien à la fourche. Et l'autre côté, attends, je sais jamais. Je me suis fait une petite fiche. 34 dumper side, 34 sc. C'est 30 cc. C'est un peu moins que la 34 normale parce que la fourche est plus petite. Je fais un mélange. Voilà, belle fourche bien nourrie au grain. Putain, sa fourche elle est bloquée en fait. C'est les cartouches inversées par rapport à un norme. T'as les petites mousses AliExpress là, 34 Alors, mm. Ça va bien ? Bah nickel. Là, on ah mais je te dis même pas le prix à la caméra là. C'est quoi? Je te peux pas te dire le prix à la caméra là. Ah c'est un secret défense. Je crois que c'est 99 centimes les 10 mousses. Faudra couper. Non mais bah, en vrai c'est quelque chose que je facture dans l'entretien, donc c'est... ça fait partie de l'entretien 50 heures je veux dire, mais ouais, c'est tout bénef pour nous de payer ça que dalle quoi. Ouais. Et ben voilà Michel, ta petite fourche, nickel. Prête à envoyer le bousin à la station cet été. Entretien 50 heures terminé. Je vais passer direct à l'amortisseur. Petit flot de DPS d'amour là. Franchement, il est en bon état son vélo. Pour un mec qui a roulé tout un hiver complet. Pouah, les beaux morts des taux là. Putain, mais il est comme neuf ce machin. J'ai même pas besoin de nettoyer, il y a rien dedans. Putain, moi je te dis, il va engager le tir. 170 à l'avant, 140, 35. Ouais, 140 derrière, je crois. 140 à l'arrière. C'était le petit vélo à l'époque, ça. Mais non, mais... Amortisseur fait. Ça c'est quoi? Ah ça c'est la tige de saut télescopique ça. Ouais, ça faut que je change aussi. Putain ça va être une purge. Ça il faut que je fasse la gaine de dérailleur. Petite
Câblerie complète. Ah, c'est trop grand ce truc. Faut que je recoupe au moins de... Tu la prêtes à Jean-François du coup là ? Ouais. Voilà. C'est plus joli. Ouais, voilà, je l'emmène à Morzine. Elle a défoncé de la rocheuse. La métallie avec la grosse. Y'a pas quelqu'un qui veut pas se retirer en bête de blague des fois ? Vous pouvez lui aller là ? Mais pas. Ouais. Mais là, elle est passée, c'est zéro. Ah ouais, c'est jour 2. Jour 2. J'ai trouvé le son de la cloche qu'il utilise. Il y est dans GarageBand. Je l'ai mis à la fin de ma vidéo, la dernière. J'ai aucune personnalité, j'ai aucune identité, je m'inspire que des autres. Je suis que un copieur. Je n'existe pas sans farine de blé et son monteur. Yaourt, fromage frais. C'est quoi, c'est fromage frais là ? Fromage blanc ? Fromage frais. Ça se fait une tech. Aïe aïe aïe. Donc là on est sur un changement de câble, de tige de sel. On va en profiter pour faire un petit entretien de la tige de sel. Michel, j'espère que tu regardes ma vidéo et que tu t'aperçois de tous les petits trucs que je vais faire sur ton vélo là. Ça tu vois, ça c'est bon d'y faire, ça que tu vois au moins une fois par an, voire tout deux fois par an. Graisser la bague de guidage là, et la mettre sur le côté. Voilà, c'est des gueules de graisse, ça, c'est ce qu'on aime. Putain, mais c'est Marlin l'Enchanteur et l'épée Excalibur ? C'est un rapport ? Non, c'est Merlin l'Enchanteur. Ouais, mais Excalibur, c'est un geek, ça, il n'y a pas de... Ah ouais ? Donc ils ont fait exprès d'appeler ça des noms à la con comme ça ? Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est trop bon. Bah non, ça coûte pas 1 100. Ça coûte combien ? Franchement, j'ai l'équipement 4 000. Ça coûte combien ? 900 balles. Ah, on est quand même pas loin. Ça coûte pas 1000 euros, ouais. Ça coûte 900. Ah d'accord. Bah, c'est bien, 900 euros, c'est... Ah mais t'as pas de roulement annulaire dans la direction. Oui, mais bon... Ouais. Tu veux que je te montre ce qu'on a chez Giant pour 900 euros bah, en vrai, je pense qu'on a mieux. Ouais, je suis pas sûr. Pour 900 euros. Ouais, qu'est-ce qu'on a chez... Pour 900 euros en... À moins. Pour 900 euros, on a... Est-ce qu'on... Il y a 12 vitesses, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a la même chose. Ah ouais. On est en dehors 10 mono avec une fourche. Alors là, t'as peut-être une seule tour, non, c'est une fourche Giant. C'est RST qui l'est fait, je crois. Là, que... Mais alors, dans la direction, c'est des vrais roulements ou il y a pas de autre chose que ça ? Le budget, c'est des vrais roulements. Regarde ce petit peu dans le camion. Regarde ce petit peu. Quand on fout le front, comme il y a deux. Voilà, comment changer un petit câble EGEN de tige de sel télescopique en moins de 5 minutes montre en main. Donc j'avoue que sans l'outil Parktool, j'aurais mis 30 minutes au moins. Je crois que c'est l'outil qui nous fait gagner plus de temps à l'atelier, je pense. Ouais, celui-là, ouais. Le moment qu'on attend tous. Parfait. Ok, dérailleur réinstallé. Je vais lui mettre un petit jeu de direction. Un petit boîtier pédalé tout neuf. Alors, je les ai tous bien rangés. Là, c'est ceux-là maintenant. Press Fit VTT. Ouah, c'est beau. Je vais mettre une petite graisse blanche. Ça, c'est une sorte de pâte de montage. En vrai, il n'y a pas de loi. On m'a demandé, genre, c'était quoi la règle de toutes les graisses que tu utilises. Il n'y a pas vraiment de loi, en fait. Pas de pâte carbone, ça c'est sûr. La pâte carbone, c'est pour gripper quelque chose de carbone contre quelque chose de carbone ou alu. C'est plus pour un grip et pour pouvoir redémonter plus facilement.
Donc là, un montage d'un boîtier pédalier de manière... Je vais nettoyer son pédalier. Je vais le brosser à la brosse métallique. Ça aura servi de... Ouah, c'est beau ce que tu fais. Ouais, non mais là, c'est en fait, le machin... Franchement, toi, tu pourrais faire de la pâtisserie, moi. Moi, je pourrais être chirurgien coloscopie et toi, pâtissier. Pâtisserie. Tu pourrais me faire des beaux éclairs, tu sais, bien fourrés, là. Bien vernis, bien rempli. Petit vanille, petit café. C'est quoi ton préféré, toi, d'ailleurs? De quoi? Éclair au chocolat? Non, bah, d'éclair. Chocolat, quoi, du coup. Non, vanille. C'est quoi ton préféré, l'éclair au chocolat? Non. Oh, mais un problème, toi. Eh ben, figure-toi que moi, j'ai changé il y a pas longtemps. Ouais. En tant qu'adulte, maintenant, j'aime bien le café. Ah ouais. Avant, j'aimais pas trop. Maintenant, depuis que je suis devenu un adulte, le café, j'aime bien. La glace au café aussi, j'adore maintenant. Ah ouais. Pareil, avant, quand j'étais pas un adulte, la glace café, c'était pas trop mon truc. Ouais, pourtant, c'est bon, pas vraiment. Ouais, c'est trop bon. Bah, je te dis, maintenant, j'adore. Là, tu sais, c'est le premier jour, il fait beau, tout le monde a fait du vélo et tout le monde revient avec son vélo en disant il y a un truc qui va pas. Voilà, c'est toi ton bébé, fait de vision. C'est clair. En hiver. On va terminer ce petit bébé d'amour. Là. Sur ce vélo, il y a 1, 2, 3, 4 câbles de dérailleur. C'est un truc de ouf. Et le pire, c'est qu'il y a 4 câbles de dérailleur, mais il est que en. Il est en monoplateau. Il est en monoplateau. T'imagines une voiture monoplateau? Ça existe pas. Ouais, ouais, non. Ah, c'est comme les Scott là, avec leur système Twin Lock. Non, c'est un bon vélo quand même. Ah, il est rincé dedans. Ouais, il est un peu usé, ouais. Il mais, mais ça, c'est parce qu'il fait trop de sorties dans le gras, ça. Il a poncé les bases arrière. Maintenant, on fait les squats comme ça. Ça va bientôt, l'écran, il va dire oui, bonjour. Alors, c'est possible de commander une moteur de 400. Mais non, mais de toute façon, on avait tout démonté le vélo. On a tout passé en AXS et tout, donc c'était ouais, pas très grave. Écoutez, madame, pas de problème. Moi, ce que je propose, c'est que je fais un swap de moteur. Je fais un swap de moteur. Hein, je vous passe de 75 à 85 newtons. Voilà. Allez, hein, encore un câble de derrière. Donc là, vous voyez, il faut d'abord passer la gaine, clamper l'amorto à la gaine. Parce que si vous mettez l'amorto puis que vous essayez de passer le câble après, ça va être impossible. Bah, c'est nickel ça. Ça, c'est un 28 sur une jante hookless. Ouais, ça fait comme les miennes. C'est ça, alors que ça, c'est un 28 sur une jante. Ah ouais, putain, ouais, c'est clair. C'est deux Conti 28. Si tu prends un pied à coulis, c'est. Parce que moi, sur mes roues, c'est pas. Sur mon TCR, ouais, bah, c'est les miennes de roues. Non, non, il y en a, il fait 27, alors que c'est un 28, puis celui-là, il fait 32. Vous savez pourquoi vous ça, c'est un 28 ça. Ouais, c'est marqué dessus. Tu sais pourquoi si tu prends genre exactement le même pneu, la même jante, mais il y en a une qui est en hookless et l'autre qui n'est pas hookless, tu sais pourquoi la hookless elle est plus efficace? Parce que vu que t'as pas des canures, ton pneu il touche moins la jante et qu'il s'enroule pas dans tes trucs. Et plus efficace au pédalage, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, plus de rendement avec. T'as plus de rendement avec un hookless? Ouais. En gros, si ton pneu il touche moins la jante, bah, qu'est-ce qui se passe? Parce que sur ta jambe, entre ton pneu et ta jambe. C'est pour ça que je vais aussi vite alors avec mon vélo de route. Et les micro-frottements, c'est quoi? C'est de la chaleur. La chaleur, ça réchauffe. C'est pour ça qu'il y a le réchauffement climatique. La chaleur, ça, c'est perdre de l'énergie. Putain, mais c'est si ça. Si tu perds pas de chaleur, tu perds pas d'énergie. Donc, théoriquement, les hookless, c'est un meilleur rendement que les roues normales. Putain. Les hookless, c'est mieux pour l'écologie alors.
aussi, ouais. Putain, mais c'est ouf. Je crois que les vélos en carbone, ils impactent le bilan carbone. Parce que du coup, c'est du carbone qui est stocké sous forme de matière, qui pollue plus. Ouais, mais faut le choper super fort, quoi. Ah, parce que c'est vrai que de souder de la rue, c'est pas écologique. Je crois que les cadres alu sont plus écolo parce que tu peux les faire refondre et les recycler en gros. Alors que le carbone, c'est difficilement recyclable, je crois. Enfin, c'est sûr même. Oh, claquage de maillon. Oh, comme ça va bien. Ça, je suis vraiment un professionnel, moi. Ah oui, bah oui, je suis un professionnel. J'arrive à régler le dérailleur, tu sais, en le mettant le câble dessus, et je reviens pas dessus, quoi. La tension, c'est la bonne. Ça, c'est le travail de professionnel, ça. C'est comme si t'arrives à centrer un disque sans le disque et que tu mets ta roue dedans et paf, le disque il est centré. Ça arrive jamais, ça. C'est même littéralement impossible. Oh là là, la smoothéité des commandes là. Ça c'est quand même hyper agréable quand t'as changé toute la câblerie d'un vélo, puis tu sais que les vitesses elles sont hyper smooth. Son corps de roue libre il me paraît un peu bizarre. Alright, et ben il me reste plus qu'à remonter la roue avant, le laver un petit coup au muck-off, et puis ça sera pas mal. Oh putain, j'ai pas remis d'air dans la morteau. Moi je trouve que c'est encore plus fort carrément de faire un entretien à morteau sans dégonfler la morteau. C'est impossible. Tu dégonfles, si, tu peux. Vous êtes exposé avec toi. Tu peux le faire sur un coil. Putain, tu vois, ça c'est... Ah si, il craque toujours autant. Putain. Attends, le boîtier est neuf. Ah! J'ai toujours autant de craquements dans le vélo. Le jeu de direction, il a tout été refait. Et la seule chose que j'ai pas fait, c'est ça, 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 enfin ça, 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 et surtout ça. Bon, je vais tout démonter, allez, à toutes. Yes. Eh ben, c'est pas mal. Voilà, alors ça. Non, c'est trop petit ça. Mousse fine là, j'ai. Je la pose à côté, tiens. Oh, ça sent le silicone shining là. Voilà. Au moins, la fruit de bruit. Petit entretien après l'hiver. Changement chaîne, câblerie complète, tige de sel, dérailleur et système twin lock avec double gaine et double câble. Changement du boîtier de pédalier, changement de la chaîne, je sais plus si j'ai déjà dit, entretien 50 heures, fourche, amortisseur.